tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli modèle, donc c'est la version carrée du point ici de cœur, donc tout simplement pour faire une couverture ou pour faire une nappe pour une table carrée. Enfin vous pouvez faire beaucoup de choses avec un coussin en le doublant par en dessous. Voilà, c'est infini. Ici, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas terminé, c'est vraiment juste un échantillon. Mais en réalité, quand vous terminez par le rang où on fait que du granit, c'est bien droit. Pour réaliser ce modèle-là, j'ai utilisé la laine Maya. Donc c'est une laine nouvelle pour les personnes qui ne la connaissent pas. Je sais que vous avez été énormément à la commander et énormément à me donner des retours en fait comme quoi vous l'adoriez. C'est vrai qu'elle est vraiment très douce et vraiment pas chère. Donc voilà, c'est vraiment une laine exceptionnelle. C'est une de mes préférées en fait. Donc c'est du 100% acrylique et vous avez cet effet un petit peu comme si c'était angora, mohair, etc. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 5 mm et vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, tout simplement. Maintenant pour la quantité, si vous voulez faire une couverture, donc pour une couverture bébé, je vous recommande uniquement 3 pelotes, vous voyez, pour avoir vraiment une grande taille quand même, pour pouvoir envelopper le bébé. Autrement, pour une couverture, par exemple pour un canapé, 5-6 pelotes suffiront largement. Donc autant vous dire que c'est extra économique. En plus de ça, le point ici est très facile à faire et à retenir, surtout si vous avez réalisé le châle que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous devez connaître ce motif par cœur et vous avez vu de vous-même qu'il est très simple à réaliser et très très beau. Donc quoi de mieux que d'offrir à son petit-fils, à son neveu, au bébé d'une amie, pourquoi pas au vôtre, une couverture en fait avec plein de cœurs. Je vous répète que ça, c'est qu'un échantillon. Imaginez-vous la chose beaucoup plus grande. Ben, écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous appréciez le modèle que je vous ai concocté. Et sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer donc la forme carrée du châle-cœur, tout simplement en faisant ici un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Maintenant, on fait un jeté, on pique toujours au milieu et on fait 2 brides. 1 et 2, toujours dans ce nœud coulant. Maintenant, on sépare avec 2 mailles. 1, 2. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et la troisième. De nouveau, 2 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Maintenant ce que vous allez faire, c'est venir déjà tirer le fil du nœud coulant et on va venir terminer comme ça. 1 maille en l'air et on fait une maille serrée sur la 3e maille en l'air de départ. Une maille serrée. Après avoir uni avec la maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, donc ici toujours dans l'espace, vous avez un groupe et un deuxième au milieu. Vous piquez, vous faites 2 brides. 1 et une deuxième. Après les 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Ici, dans l'angle, je pique et je fais 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. 1, 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant et ici je fais la même chose. Un groupe de 3 brides, 2 et la troisième, 2 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Maintenant 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'angle suivant et je recommence la même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant ici au départ on n'avait fait qu'un groupe. On va venir compléter cet angle en faisant ici un groupe de 3 brides. 1, 2 et la troisième. On terminera toujours pareil tous les rangs. 1 maille en l'air et 1 maille serrée sur la troisième maille en l'air ici de départ. Vous voyez, là j'ai fini complètement le rang numéro 2. On passe au rang numéro 3. On monte avec 3 mailles en l'air. Ici même, on écarte et on fait 2 brides. 1 et 2. Donc là, dans cet angle, j'ai un groupe. On fait ici 2 mailles en l'air. Ici même, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je passe à l'angle. Dans l'angle, on refait le motif d'angle. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Au milieu, un groupe tout seul. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et je passe à l'angle. Dans l'angle, vous faites la même chose. Un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air. Un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Au milieu, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et dans l'angle, un motif d'angle. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides, toujours dans le même angle. 1, 2 et 3. Vous voyez? Pour l'instant, voilà ce qu'on doit obtenir. C'est comme un granny normal. Maintenant, on fait de nouveau 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et ici, on complète l'angle en faisant 3 brides. 1, 2 et 3. 1 maille en l'air de séparation et on termine par une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. 1 ici, maille serrée. Voyez? Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai complètement terminé le rang numéro 3. 1, 2, 3. On passe maintenant au rang numéro 4 où on monte avec 3 mailles en l'air. Et ici même, on fait 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, ici, il va y avoir un groupe et un deuxième individuel. Donc, on commence. Ici, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et on fait la troisième. 2 mailles en l'air et ici le motif d'angle. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, 2 mailles en l'air ici. Et maintenant, les deux groupes normales. Donc, un ici et le motif d'angle. Donc, vous allez poursuivre ainsi en répétant exactement ce qu'on a fait ici, mais là, dans tous les côtés. Et on se retrouve pour compléter ce motif. Je suis sur le point de terminer. On termine en complétant le motif d'angle. Ici, une, deux et la troisième bride toujours dans l'angle. Maintenant, une maille en l'air et on termine par la maille serrée ici sur la troisième maille en l'air de départ. Une maille serrée. Vous voyez? Là, on a fini le quatrième rang. Le cinquième, on va venir commencer en faisant les cœurs. Donc, pour cela, vous commencez toujours pareil. 1, 2, 3. Ici même, deux brides. 1 et 2. Deux mailles en l'air, deux séparations. Dans cet espace, on va venir faire trois brides. Ça fait partie du cœur. Donc, 1, 2 et 3. Les trois brides suivantes, on va venir les envelopper en relief par devant. Donc on fait la première, on passe à la deuxième et on passe à la troisième. Une maille en l'air de séparation et les trois brides de nouveau en relief par devant. 1, 2 et 3. On termine le cœur en faisant ici, avant le motif d'angle, trois brides. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air et dans l'angle, un motif d'angle. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air et trois brides. Donc 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter de tous les côtés. Donc on recommence une fois ensemble. Deux mailles en l'air. Ici dans le premier espace, trois brides. 1, 2, 3. Les trois mailles ici, les trois brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et les trois brides suivantes en relief par devant. 1, 2 et 3. On termine le cœur en faisant cet espace ici, trois brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air de séparation et dans l'angle, trois brides. Ici, trois brides. Deux mailles en l'air et les trois brides pour compléter l'angle. 1, 2 et 3. Je vous montre ce que vous devez obtenir ici. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le motif d'un cœur. Vous allez le faire ici et ici. Et on se retrouve quand on est là. Je suis sur le point de terminer. J'ai fait mes deux mailles en l'air. Maintenant, on complète le motif d'angle par 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et une maille serrée ici, sur la troisième maille en l'air. Là, on a fini. Donc ici, c'est normal que ça fasse comme ça. Hein? C'est normal. Donc ici, on monte avec 1, 2, 3. Ici même, deux brides. Parce qu'on commence toujours de la même manière. Maintenant, on va venir faire ici une et deux mailles en l'air. On vient envelopper ici les six brides que vous avez devant vous. 3 plus 3. En relief par devant. Directement, sans faire de groupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on fait ici dans l'espace du milieu une bride. Une bride. Et on enveloppe par devant les six brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant qu'on a fait ceci, vous faites deux mailles en l'air et vous passez ici dans l'angle où vous faites votre motif d'angle. Une, deux, trois brides, deux mailles en l'air et toujours au même endroit, trois brides. Une, deux et trois. Et ça, écoutez, c'est ce que vous allez faire de tous les côtés. Là, vous repartez avec deux mailles en l'air et vous enveloppez tout ça. Au milieu, vous faites bien votre bride. Deux mailles en l'air et là, le motif d'angle. Donc, vous faites ça tout le tour et on se retrouve ici pour compléter celui-là. J'ai terminé. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est compléter ici le motif d'angle par trois brides. Donc, une, deux et trois. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient compléter en faisant une maille serrée sur la troisième maille en l'air. On commence le nouveau rang. 1, 2, 3. Ici même, deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Maintenant, dans le premier espace ici, avant le cœur, trois brides. Une, deux et trois. Maintenant, après ces trois brides, vous faites une et deux mailles en l'air. Vous allez venir envelopper quatre brides en relief par devant, mais sans terminer. Donc, une sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième sans terminer et une quatrième sans terminer. Et maintenant, on termine tout ça ensemble. Maintenant, on fait 5 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4 et 5. Les 1, 2, 3, 4. Les 4 en relief par devant sans terminer. 1, 2, 3 et 4. Et on termine tout ensemble. Une, deux mailles en l'air. Ici dans l'espace, trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air de séparation et le motif d'angle. Une, deux, trois. Deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux et 3. Vous voyez? Donc là, on est en train, ici, de terminer le cœur. Et là, on refait des motifs granés. Vous voyez, là, par exemple, il y en aura 1 et 2. Donc, vous continuez tout le tour et on se retrouve ici quand il faut terminer. J'ai terminé le rang, je l'ai uni comme on fait depuis tout à l'heure. Maintenant, on commence le nouveau rang en montant avec les trois mailles en l'air et en faisant les deux brides dans le premier espace. Maintenant, on passe ici. Donc là, vous faites une, deux mailles en l'air. Dans le premier espace, trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air. On va dans l'espace suivant ici, juste avant la diminution. Trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air et on continue de diminuer le cœur. Donc cette diminution là, vous la prenez en relief par devant et vous faites une bride sans terminer. Les deux brides suivantes, pareil, sans terminer en relief par devant. Maintenant ces quatre boucles, on les termine ensemble. On fait une bride en relief par devant, toute seule. Et maintenant les trois en relief par devant. Sans terminer. Donc une, deux, et la diminution aussi. Et on termine une, deux, trois, quatre, ensemble. Deux mailles en l'air, ici dans cet espace trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air. Dans cet espace trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air et le motif d'angle. Une, deux, trois. Maintenant, on fait deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux et trois. Vous voyez, là, on a fini. Donc ce que vous allez faire, c'est venir tout simplement faire ça. De tous les côtés, vous faites la même chose. Vous voyez, vous avez deux groupes à chaque fois qui encerclent le cœur. Ici, vous avez une diminution, une normale, une diminution. Donc vous faites tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer ici, j'ai fait mon groupe. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille serrée. On commence pareil, donc 3 mailles en l'air. Ici même 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air. Ici dans le premier espace, on fait un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Ici dans le deuxième espace, de nouveau la même chose, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, un groupe de 3 brides. Vous voyez ici, j'en ai déjà 3. 1, 2, 3. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et on poursuit la diminution du cœur. Donc ici, on a une diminution, une bride, une diminution. On enveloppe la diminution et on la fait sans terminer. La bride du milieu sans terminer et la suivante sans terminer. Et on termine les 3 ensemble. 2 mailles en l'air. Ici, dans cet espace-là, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2. Et la troisième. 2 mailles en l'air et maintenant on fait le motif d'angle. Donc ici, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Ça c'est ce que vous devez faire de tous les côtés. Donc là c'est reparti. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes, ici. 2 mailles en l'air, la diminution, 2 mailles en l'air, 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes, le motif d'angle. Donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve ici. Donc moi, je ferai, de toute façon, vous allez faire la même chose. À chaque fois que vous terminez, un groupe de 3 brides, une maille en l'air et une maille serrée. Tout simplement. J'ai complètement terminé. Maintenant, on commence le rang normalement. 1, 2, 3. Ici même, vous faites 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Maintenant, on poursuit ici avec que des grannies individuelles tout le long. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le prochain espace, 2 mailles en l'air, dans le prochain espace, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, dans le prochain espace, 3 brides, 1, 6, 2, 3, 2 mailles en l'air, dans le prochain espace 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et la troisième. 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et dans l'angle, la même chose, le motif d'angle normal. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire ça de tous les côtés. Vous faites vos groupes de 3 brides, vous voyez, de partout, en permanence. Et on se retrouve. J'ai terminé, on commence le rang normalement. Donc ici, de granny, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc maintenant, le nouveau rang. Après les 3 mailles en l'air, on complète le groupe avec les 2 brides ici, dans l'angle. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et là, c'est le rang où on doit recommencer des cœurs. À chaque fois, dans le rang qui est après, ou quand on a fait tous les grannies normales, c'est le rang où on doit recommencer à faire un cœur ici et ici. Vous voyez à chaque fois. Donc, après les deux mailles en l'air, on vient ici, dans le premier espace, et on fait un cœur. Donc, 1, 2 et 3 brides. Les 3 brides suivantes en relief par devant. Donc, on fait la première, on continue avec la deuxième, et on continue avec la troisième. Maintenant, une maille en l'air. Ici, les 3 brides suivantes en relief par devant. Une, deux, et on va faire donc notre troisième. Ici, dans l'espace qui suit, 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on a fait un cœur. Vous voyez? Maintenant, on sépare ça avec 2 mailles en l'air. On va faire 3 groupes individuels. Donc, 3 brides. Ici, on fait le premier groupe. 2 mailles en l'air. Un deuxième groupe. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Un troisième groupe. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Quand on a les 3 ici, 1, 2, 3, on doit faire un cœur. Donc après les 2 mailles en l'air, dans le prochain espace, 3 brides. Les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, les 3 brides suivantes en relief par devant. 1, 2 et 3. Maintenant, ici on finit le cœur en faisant 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, vous voyez. On a un cœur, et ici on a 1, 2, 3 groupes qui séparent les deux. Donc maintenant on fait, après les 2 mailles en l'air, le motif d'angle. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est venir tout simplement commencer de la même chose, hein, la même manière ici que vous avez fait ici. Donc vous faites tous les côtés, ensuite vous unissez normalement comme on fait depuis le début et on se retrouve. Le nouveau rang, donc j'ai fini le rang des cœurs. Maintenant le nouveau rang, un groupe, 2 mailles en l'air, et rappelez-vous, on enveloppe toutes les brides, ici les 6, en relief par devant. 1, 2, on fait notre troisième, quatrième, cinquième et la sixième. Maintenant, ici, vous savez que vous devez rajouter la bride extra. Et on repart sur les 6 brides en relief par devant. 1, 2 et la sixième. 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Ici, 3 brides. Donc 2, 3. 2 mailles en l'air. Et maintenant, on passe directement à ce cœur. Donc un espace ici qu'on saute et un espace ici qu'on saute. Donc maintenant ici, on enveloppe les 6 brides en relief par devant. 1, 2, 2, 3, 4, 5 et on fait donc notre sixième. On ajoute la bride extra ici, au milieu. Et on enveloppe les 6 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et on passe directement ici au motif d'angle. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et maintenant, vous avez jusqu'à faire ce qu'on vient de faire ici, vous le faites de tous les côtés et on se retrouve. J'ai terminé, donc après la maille en l'air, on fait la maille serrée normalement. Une, deux, trois mailles en l'air. Maintenant, au même endroit, on complète avec nos deux brides, normalement. Maintenant ici, on est dans le rang où on doit commencer à diminuer le cœur. Donc rappelez-vous comment on fait, deux mailles en l'air. Ici, dans le premier espace, un groupe de trois brides. Deux mailles en l'air et on diminue le cœur. Donc pour diminuer le cœur, rappelez-vous, ici, une, deux, trois et quatre brides. On termine les quatre ensemble. Maintenant, cinq brides individuelles normales. Une, donc en relief par devant. Deux, trois, quatre et cinq. Maintenant, une diminution. Quatre brides sont terminées. Donc là, 2, 3 et 4. Et on termine ensemble. Deux mailles en l'air de séparation. Ici, dans le premier espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Dans le prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Dans le prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air, on diminue le cœur. Donc les quatre brides sont terminées. 1, 2, 3 et 4 et on les termine ensemble. Maintenant, on fait 5 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on termine par la diminution des 4 brides sont terminées. 1, 2, 3 et la quatrième. Et on termine tout ensemble. Deux mailles en l'air de séparation et vous terminez par le groupe ici avant le motif de bord. Donc 3 brides, deux mailles en l'air et le motif de bord. Donc ici, un groupe de 3 brides, juste je me prends un petit peu de fil, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2 et 3, vous voyez? Donc ici pour résumer, on a un groupe tout seul au début, ensuite on a la diminution du cœur, 3 groupes au milieu, la diminution du cœur et un groupe à la fin, le motif temple. Donc vous faites ça des 4 côtés et on se retrouve à la fin. Le nouveau rang ici, donc j'ai fait le premier groupe. Maintenant, on fait une et deux mailles en l'air. Ici, dans le premier espace, on fait un groupe de 3 brides. Une, deux et 3. Maintenant, après les 3, vous venez faire 2 mailles en l'air de séparation. Et dans cet espace-là, vous venez piquer et vous faites vos 3 brides. Donc, une, deux et 3. Maintenant, 2 mailles en l'air et on continue la diminution. Donc la diminution, rappelez-vous ce qu'on a fait pour le premier cœur. Donc un jeté, on enveloppe la diminution et on fait une bride sans terminer. Une bride sans terminer dans les deux prochaines. Et on termine tout ensemble. Celle-là du milieu, toute seule, en relief par devant. Et de nouveau, 1, 2, 3, sans terminer. 1, 2 et la diminution également. Et on termine ensemble. Deux mailles en l'air. Ici un groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, un groupe. Jusqu'à arriver au cœur en fait, c'est toujours des groupes. Donc 3 brides à chaque fois, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et la troisième, 2 mailles en l'air et on atterrit au cœur. Donc quand on est là, on fait exactement ce qu'on a fait ici, donc ce qu'on a fait là, vous voyez? Donc ici on enveloppe la diminution, une bride sans terminer, Les deux brides suivantes, une bride sont terminées, en relève par devant, et on termine ensemble. Une bride toute seule en relève par devant, et de nouveau la diminution. Une, deux, et trois. Et on termine tout ensemble. Deux mailles en l'air, et de nouveau la même chose. Des groupes jusqu'à arriver au motif d'angle. Deux, trois, deux mailles en l'air et le motif d'angle. Une, deux, trois, deux mailles en l'air et trois brides. Donc une, deux et trois. Donc ce qu'on vient de faire ici, vous allez le faire de tous les côtés. Sur le bord ici, vous avez deux groupes et au milieu, vous en avez quatre. 1, 2, 3, 4 et là 1, 2, 1, 2. Donc vous continuez tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé tout le tour, maintenant on monte avec trois mailles en l'air, ici même toujours ici. On commence par les trois brides, 1, 2, 3. Maintenant, deux mailles en l'air. On fait des groupes jusqu'à arriver au cœur. Donc des groupes normales jusqu'à arriver au cœur. Donc au total, on doit en avoir 3. Maintenant, on fait deux mailles en l'air et on va venir continuer de diminuer ce cœur-là. Donc on va faire une diminution seulement. Donc la diminution antérieure en relief par devant sans terminer, la bride du milieu en relief sans terminer et la dernière diminution en relief sans terminer. Et on termine ensemble. Deux mailles en l'air de séparation. Je passe ici dans l'espace et je fais trois brides. Une, deux et trois. Et je continue. Deux mailles en l'air, des groupes jusqu'à arriver au cœur suivant. J'ai terminé les groupes, j'en ai 5. Maintenant, deux mailles en l'air et on diminue le cœur. De la même manière que le premier. Donc la diminution, on fait une bride sans terminer. La bride du centre, une bride sans terminer. Et la diminution, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. Deux mailles en l'air. Et ici, on fait un groupe. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air. On passe dans l'espace suivant. Trois brides. Une, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Après les 3 groupes, on fait le motif d'angle. Donc rappelez-vous, 1, 2, 3, deux mailles en l'air et 3 brides au même espace. 1, 2 et 3. Donc ça, vous allez le faire des 4 côtés. C'est toujours la même chose. 3 groupes au début, ici 5 et 3 groupes. Et là, vous diminuez votre cœur, vous le fermez complètement. J'ai terminé tout le rang, j'ai répété toujours la même chose. On continue en levant 3 mailles en l'air et ici même, on fait 2 brides. Une et deux. Deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une, deux. 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on ne fait que des groupes de 3 brides tout le long. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 1, ici, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous allez poursuivre en faisant que des groupes individuels tout le long, tout le tour. Et on se retrouve. J'ai fait tout le tour, maintenant c'est simple. Là par exemple, on doit recommencer. Vous voyez le rang qui suit juste celui où il y a des groupes individuels, c'est le rang où on doit commencer les cœurs en fait. Donc pour commencer les cœurs, n'oubliez pas, c'est ici. Vous voyez ? N'oubliez pas qu'on commence directement par un cœur. Donc là, on va venir le faire. Ce que je voulais vous expliquer, donc je vais juste vous montrer pour que vous puissiez continuer, hein, que c'est toujours la même chose. Par contre, ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand c'est fini votre couverture, Vous allez le terminer par le rond, on ne fait que des granits, mais vous allez faire une maille en l'air de séparation entre tous les granits, exceptionnellement à la fin. Ça fait beaucoup plus joli en fait à la fin, le dernier rang, comme ça. Donc voilà. Donc ici, on va dire que vous voulez continuer, donc c'est sûrement le cas. Vous faites deux mailles en l'air. Ici, on fait un groupe, une, deux et trois. Les trois brides en relief par devant, donc une, deux et la troisième bride en relief par devant. Vous voyez, on en a 6. Une maille en l'air de séparation. Ici, le groupe suivant en relief par devant, donc une, 2 et on va faire donc notre troisième bride en relief par devant. Et on termine le cœur en faisant ici dans cet espace là, on fait 3 brides. Donc là on a la deuxième et la troisième. Là on a fait un cœur. Maintenant on continue en faisant 2 mailles en l'air et on doit faire les 3 groupes qui séparent cœur avec cœur. Donc automatiquement vous allez voir quand vous aurez fini vos 3 groupes individuels, vous allez atterrir là où il faut commencer. Donc, un groupe, 2 mailles en l'air, 2 groupes, 2 mailles en l'air, 3 groupes, donc 1, 2 et 3. Vous voyez, une fois qu'on a les 3 groupes, on vient faire 2 mailles en l'air et là on sait qu'on doit faire le cœur. Donc pour faire le cœur, on va dans l'espace suivant, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Les 3 brides suivantes en relief par devant. Donc une, deux et la troisième bride. Une maille en l'air. Ici en relief par devant. Donc une, deux et la troisième. Et on termine ici le cœur en faisant ici 3 brides. Une, deux et 3. Ici. Je me suis accrochée dans mon stylo. Donc, 2 mailles en l'air. Là, de nouveau, 3 groupes. 1, 2, 3. Et là, vous formez le cœur. Ensuite, 2 mailles en l'air et le motif d'angle. Vous faites ça tout le tour. Vous avez compris que c'est la répétition de ce rang-là. Ici. Donc, on va compter... Donc le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est la répétition ici du rang numéro... Attendez que je ne me trompe pas. Ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le rang numéro 11, c'est celui qu'on est en train de faire maintenant. Donc vous faites le 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et de nouveau la même chose. Vous voyez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la répétition toujours la même. N'oubliez pas qu'à la fin, le rang numéro 16, vous le modifiez et vous faites une seule maille en l'air de séparation. Ensuite, quand vous aurez terminé votre couverture, n'importe quelle taille que ce soit pour un adulte sur un canapé, que ce soit pour un bébé, etc., vous allez pouvoir faire à la fin, soit le laisser en granit tout simple, ou bien mettre des pompons, comme j'avais fait dans une couverture, je vais vous mettre la photo sur l'écran. J'avais fait une couverture avec la laine Charlotte et j'avais mis des pompons tout autour, c'était hyper mignon. Donc voilà, si vous aimez ce style, comme moi, c'est sûr que ça va faire vraiment une très très belle finition. En tout cas, voilà donc le tutoriel maintenant fini. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!